Bonsoir et bienvenue pour une séance de yoga spéciale détente. Après une journée bien occupée, ou peut-être juste avant le coucher, on se retrouve tranquillement à l'avant des tapis, assis en tailleur ou sur une chaise. On s'installe confortablement, on va fermer les yeux et on va se concentrer sur la respiration. D'abord, ressentez l'ancrage de votre corps posé sur la chaise ou sur le sol. Ressentez le poids de votre corps en contact avec la terre. Puis ressentez la verticalité de votre colonne vertébrale avec le sommet de la tête, comme s'il était accroché dans le ciel. Ressentez l'air frais qui pénètre par vos narines, puis l'air un peu plus tiède qui en sort. Ressentez le va-et-vient de la respiration et prenez conscience de tout votre corps. Détendez tout votre corps. Si une partie de votre corps est un peu tendue, respirez dans cette zone. Et à chaque expiration, apportez un peu plus de détente dans cette zone. Prenez conscience de l'instant présent et de ce moment de détente que vous offrez à votre corps. Visualisez cette détente. Visualisez votre corps détendu. Visualisez-vous en train de prendre soin de vous et remerciez votre corps pour cette belle journée. Cette journée durant laquelle tout votre corps vous a permis de vivre, de bouger, de rire, de profiter. Remerciez-le pour ça. Peut-être pouvez-vous maintenant rajouter une petite pause à la fin de l'expiration. Une petite pause durant laquelle vous ressentirez encore plus ce qui se passe à l'intérieur de vous.
dans votre propre maison. Peut-être ressentirez-vous des pulsations, des picotements, toutes ces sensations qui démontrent que votre corps est vivant. Apportez-lui par la respiration la douceur dont il a besoin pour se régénérer. Apportez-lui de la bienveillance et de l'amour. Apportez-lui l'amour dont il a besoin pour fonctionner. L'amour que vous apportez aux autres, apportez-le vous, à vous-même. Visualisez une lumière qui partirait de la zone dans laquelle se trouve votre cœur. Imaginez cette lumière comme un soleil qui sortirait de votre poitrine et qui entourerait tout votre corps. Une bulle lumineuse qui vous régénérerait. Maintenant, mettez vos mains devant votre poitrine en Anjali Mudra, en prière, devant votre cœur pour l'honorer. Puis inclinez votre tête vers votre cœur. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement, tout tranquillement ouvrir les yeux. On va démarrer la pratique à l'avant des tapis, assis tranquillement en tailleur. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on descend les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. On va prendre trois profondes inspirations par le nez et expiration par la bouche. Une deuxième fois, on inspire, on expire par la bouche. Et la dernière fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. À l'inspiration, on pose la main droite au sol. Et on lève le bras gauche pour étirer tout le côté. On vient vers l'avant pour aller sur le côté gauche de la même façon et lever le bras droit. On revient vers l'avant, on repose le bras droit au sol et on lève le bras gauche. Et une dernière fois de l'autre côté.
À l'inspiration, revenez au centre. Puis posez les mains à l'arrière de votre corps. À l'inspiration, levez le bassin et ouvrez la poitrine. On revient au centre et puis on va repartir à quatre pattes, tranquillement. Et ici, on va inspirer, creuser le dos, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, dos rond. On lâche la tête complètement. Une nouvelle fois, on inspire, on creuse le dos, on ouvre la poitrine. Puis on fait un dos rond et on lâche complètement la tête. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. On inspire, dos creux. Et ici, on peut peut-être bouger sur les côtés pour faire bouger la colonne vertébrale dans les sens, dans tous les sens qui nous font du bien. Et ici, tranquillement, on ferait notre premier child pose. On pose le front au sol, on pose les fesses sur les talons, les genoux écartés afin d'aller un peu plus bas et de poser tranquillement tout le corps. Ici, nous allons faire une torsion en glissant le bras droit sous le bras gauche en tournant la tête du côté gauche. On en profite pour prendre de profondes inspirations et profondes expirations pour calmer l'esprit. Puis revenez au centre et nous faisons la même chose de l'autre côté. Revenez au centre, puis mettez-vous à quatre pattes pour partir en chien tête en bas. Ici, vous pouvez faire marcher le chien pour étirer les jambes. Et prendre de profondes respirations. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez marcher vers les mains en vous inclinant totalement, en relâchant le haut du corps, en relâchant la tête. Puis si vous le souhaitez, vous pourrez attraper les coudes pour relâcher totalement le haut du corps. Vous pouvez vous balancer. Si cela vous fait du bien, écoutez les signaux de votre corps. Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, marcher sur vos mains pour étirer un peu plus l'arrière des omoplates. Puis à la prochaine inspiration, mettez les mains sur les hanches et remontez la tête la première. Nous nous retrouvons en posture Tadasana, la montagne. On pense à bien cisailler les jambes l'une vers l'autre, à bien gainer tout le corps, à rentrer le nombril. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre et à l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. Les 10 doigts posés au sol. On inspire dos plat. On expire, on relâche tout le haut du corps. Puis on fait un grand pas de géant avec le pied droit à l'arrière et on pose le genou au sol. On lève les bras vers le ciel.
on s'étire tranquillement. Mettre les mains derrière la tête si on le souhaite pour ouvrir un peu plus la poitrine. Vous pouvez ici relâcher les bras pour ouvrir un peu plus le cœur. Posez la main droite au sol, levez votre genou pour faire une torsion en levant le bras gauche vers le ciel. Et en pensant à bien ouvrir la poitrine. Posez la main gauche au sol. Puis, posez votre genou droit au sol. Pour faire notre premier pigeon qui permet d'ouvrir un peu les hanches. Pensez à mettre les hanches bien parallèles. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous incliner, soit sur les avant-bras, ou même pourquoi pas poser votre tête pour vous relâcher et profiter en respirant très profondément. Faites pénétrer l'air à l'inspiration et à l'expiration, relâchez toutes les tensions de votre corps. L'esprit se calme grâce à la profondeur de votre respiration. Il est important en fin de journée de calmer le système. Ici vous redressez, puis faire une légère torsion vers la gauche, puis une grande ouverture vers la droite. Si vous le voulez, vous pouvez prendre votre pied pour étirer le quadriceps. Vous pouvez le relâcher, puis ramenez la jambe à l'arrière sur la jambe à l'avant. Soit comme je le fais, soit si vous le souhaitez, en tailleur si c'est plus confortable. Faites ce qui vous fait du bien. Et nous allons encore faire ici une torsion en posant la main droite sur le genou gauche. L'inspiration, on pense à se grandir et à l'expiration, on approfondit un peu plus la torsion. On revient au centre et nous faisons la même chose de l'autre côté. Centre, puis ici on remet la jambe droite vers l'arrière pour reprendre la posture du pigeon avant de repartir tranquillement en chien tête en bas. On marche tranquillement vers les mains, on s'incline totalement. Relâche le haut du corps et à la prochaine inspiration, main sur les hanches, on remonte la tête la première.
Ici, on crochète les mains vers l'arrière, on inspire, on ouvre la poitrine et à l'expiration, on s'incline, on laisse partir les mains pour étirer les épaules. On inspire dos plat, on expire, on se réincline, toujours les mains crochetées vers l'arrière. On relâche les mains au sol. On met les mains sur les hanches, inspiration. On remonte la tête la première. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre. À l'expiration, on s'incline jusqu'au sol. On inspire dos plat. On expire, on s'incline, puis on envoie la jambe gauche. Grand pas vers l'arrière, on pose le genou gauche au sol et on se redresse. On lève les bras vers le ciel, on étire complètement le psoas, qui est un muscle qui est très contracté lorsqu'on passe sa journée assise. Si on souhaite, on peut mettre les mains croisées derrière la tête pour ouvrir un petit peu le cœur. Ou relâcher les bras pour relâcher la tête vers l'arrière. Puis on reprend la posture du pigeon en veillant à ce que les hanches soient parallèles. On pose les avant-bras au sol et on peut éventuellement poser la tête sur les avant-bras pour relâcher complètement. On respire profondément. Relâchez toutes les tensions accumulées durant la journée au niveau des hanches. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez remonter tranquillement pour faire une torsion vers le côté droit, puis une grande ouverture vers le côté gauche. Vous pouvez prendre votre cheville, ramener votre pied dans le creux du coude pour étirer le quadriceps. Puis vous ramènerez votre jambe gauche au-dessus de la jambe droite, soit comme je le fais, soit en tailleur, comme vous voulez. Et on va faire une torsion en commençant du côté droit. On revient au centre, puis on fait la même chose du côté gauche. On revient vers le centre. On remet la jambe gauche vers l'arrière pour repartir tranquillement, chien tête en bas.
marche vers les mains, on s'incline totalement. Puis à la prochaine inspiration, main sur les hanches, on remonte la tête la première. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre, on expire, on s'incline jusqu'au sol. On met du poids sur les mains pour faire un squat. Je vais me mettre face caméra, ce sera plus simple. Puis on va poser ici la main droite légèrement décalée en ouverture à l'intérieur de la cuisse. Lever le bras gauche pour faire une ouverture, un étirement. Puis la même chose en posant la main gauche et lever le bras droit. On revient au centre. Si vous le souhaitez, vous restez ici ou sinon vous pouvez mettre les mains en prière. Puis nous allons nous asseoir tout doucement et mettre les plantes de pied l'une contre l'autre pour faire la posture du papillon. Si vous le souhaitez et dans le respect de votre corps, vous pouvez vous incliner vers l'avant en respirant très profondément et en relâchant tout votre corps. Profitez de chaque expiration pour relâcher toutes les tensions accumulées durant la journée. On se redresse tout doucement et on va basculer ici sur le dos en attrapant nos genoux tranquillement pour prendre la posture Happy Baby, bébé heureux. Donc on va attraper les plantes de pied pour ouvrir les hanches et on peut tout doucement se balancer d'un côté et de l'autre. On respire profondément. Ici, on relâche les pieds. On prend appui sur les mains et si on le souhaite, on peut prendre la posture de la charrue. Il n'est pas nécessaire ici de toucher le sol avec les pieds pour bénéficier des effets de la posture qui sont l'étirement de la colonne vertébrale. De la posture de la charrue, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la posture de la chandelle ou de la demi-chandelle. Posture d'inversion qui améliore notamment le fonctionnement de la thyroïde. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relâchez les genoux à côté des oreilles pour ensuite vous allonger tout doucement, tranquillement pour prendre la dernière posture de torsion en prenant les genoux que l'on va laisser tomber tout doucement sur le côté droit en ayant les bras en croix. Vous pouvez tourner la tête vers le côté gauche. Les postures de torsion permettent de neutraliser le travail effectué au niveau de la colonne vertébrale.
centre pour faire la même chose de l'autre côté. Ici, on va revenir au centre, puis tout doucement s'allonger dans la posture Shavasana. Les paumes de main vers le ciel, les pieds complètement relâchés, on ferme les yeux et on se concentre sur la respiration. On approfondit l'inspiration, puis l'expiration. On relâche complètement le corps sur le sol. À chaque expiration, le corps s'enfonce un peu plus. Tout le corps est étendu. Les pieds sont parfaitement détendus. Les chevilles sont parfaitement déverrouillées et détendues. Les mollets sont parfaitement détendus. Les genoux sont complètement déverrouillés, détendus dans le sol. Les cuisses se détendent complètement. Le bassin est ouvert et parfaitement détendu. Le ventre est assoupli par la respiration et parfaitement détendu. Le plexus solaire est parfaitement détendu. La poitrine se soulève et s'abaisse avec la respiration et parfaitement détendu. Les omoplates sont posées au sol, parfaitement détendues. Les épaules sont ouvertes et déverrouillées. Complètement détendu. Les bras sont lourds dans le sol, ainsi que les mains qui sont complètement détendues. La gorge est parfaitement détendue. La tête et le visage sont parfaitement détendus, et notamment la zone située entre les deux yeux est parfaitement lisse et détendue. Tout votre corps fond dans le sol. À chaque expiration, tout se fond dans le sol. Votre corps ne fait plus qu'un avec le sol. Votre corps est bercé par votre respiration.
corps profite de cet instant pour se régénérer. Et vous allez pouvoir ici tout doucement commencer à bouger les mains et les pieds et à vous étirer. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez ramener vos genoux contre votre poitrine. Puis les saisir dans vos bras. Vous bercer d'un côté puis de l'autre. Pour finalement basculer d'un côté. Vous pourrez vous redresser tout doucement. Vous asseoir en tailleur sur votre tapis pour reprendre contact avec votre respiration. Mettez vos mains en prière devant votre cœur. Baissez doucement votre tête pour l'honorer. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez délicatement ouvrir les yeux. Je vous remercie pour cette belle séance et vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt.